La faux de Idan dans la vraie vie est-elle efficace? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Pour ce qui est des avantages, la faux d'Idan est super stylée et extrêmement intimidante. Si vous vous battez contre un guerrier inexpérimenté, il y a de fortes chances qu'il prenne la fuite en vous voyant. Le deuxième avantage, c'est que vous pouvez piéger l'épée de votre adversaire entre deux lames de la faux et ainsi le désarmer. Quant aux inconvénients de l'arme d'Idan, il y en a quand même pas mal. D'abord, c'est une arme qui pèse lourd, qui est très lente et super dure à manier, donc pas ouf contre un adversaire agile avec une arme légère. Le deuxième inconvénient, c'est le risque que les trois lames restent coincées dans la victime et que vous ne puissiez pas les retirer. Ton épée sur forgedesguerriers.com.